Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les top 3 retake avec chapeau. Enfin, c'est mon classement, bien sûr. Après, il y en a d'autres qui existent. C'est juste, bah voilà, en fait, j'en avais 3 en tête. Du coup, je me suis dit pourquoi pas les faire en fait. Bah, pourquoi pas vous les montrer déjà. Enfin, je pense que vous les connaissez, la plupart que je vais vous montrer, vous les connaissez. Sachant, alors, c'est un nouveau type de vidéo que je vais faire sur ma chaîne. Parce qu'en fait je suis pas hyper chaud non plus en construction, enfin bref je me débrouille quoi. Mais bon, allez c'est parti pour la première retake. Ok, alors première retake. Tout simplement c'est ça va être une retake tout simple, donc voilà, on va dire que vous êtes en boss fight comme ça, hop. Vous faites donc au début je voulais la faire lentement, puis après je voulais la faire rapidement, enfin je vais essayer de la faire rapidement du moins. Donc vous faites ça, comme ça vous montez, et là vous faites ça, faites ça, ça, et là vous sautez, hop, vous faites ça. Bon, par exemple vous faites des 90, tout ça, tout ça. Donc en fait c'est ça, ça, hop, ça, et ça. Voilà. Voilà. Donc ça c'était la première retake, donc si vous voulez je vais vous la refaire hein, pour vous la remontrer. Tac, donc j'attends que ça se casse un peu. Donc faites un escalier, tac, faites ça. Ça, hop, vous sautez, vous mettez ça l'escalier, vous hésitez comme ça, puis voilà. Merde. Bah alors, ah oui, et le sol aussi ça marche aussi avec des chapeaux. Donc avec chapeau, donc ça marche aussi comme ça du coup. Ça, faites ça comme ça. Oula, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ben on pourrait faire ça. Merde. Ah. Bon, bah, écoutez. Ok, bah du coup, go faire la deuxième retake. C'est parti. Ok, donc pour la deuxième retake en fait c'est ma préférée de toutes les retakes que je vous présente là. Je sais pas si on pourrait la qualifier en tant que la plus dure, mais en tout cas moi je l'aime bien personnellement. C'est d'ailleurs un de mes potes m'avait dit que c'est la technique de Kinstar, je sais pas s'il a raison, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si c'est vrai. Donc c'est celle-là. Alors vous me parlez vite fait, vous faites ça comme ça, et en fait le truc. Ah oui, mince, après, j'ai oublié une étape. C'est qu'en fait, faut que vous fassiez double escalier comme ça, en fait. Hop, puis arrivé à ce moment-là, vous faites chapeau. Vous retournez l'escalier comme ça. Puis par exemple, vous faites ça comme ça. Puis hop, vous pouvez même la continuer comme ça. Ah, merde. Voilà. Ça m'arrive souvent de. Ça m'arrive souvent de genre de. D'éditer ça, en fait, alors que je voulais éditer ça. Enfin bref. Voilà, donc si vous voulez, je vais vous la remontrer, hein, elle est assez simple à faire. Donc ouais, c'est vrai que je la qualifie en tant que dure, mais en vrai ça va quand même, elle est assez aise. Donc tac par exemple. C'est vrai que je suis pas obligée de faire l'edit comme ça, mais ouais au moins ça me met le beat fade quoi. Ah, donc vous faites double comme ça. Moi je la fais pas assez vite parce que vraiment je suis pas assez expérimentée dans les edits tout ça, mais voilà quoi. Sinon vous devrez la faire le plus vite possible, genre vraiment. Bah je pense que là c'est bon, on peut partir sur directement la troisième retake avec chapeau. Donc c'est parti. Ok, donc troisième retake avec chapeau, ça va tout simplement être ça. Donc je vais vous montrer en fait. Donc vous faites ça comme ça, et là c'est attends je me rappelle plus, il faut double rampe, voilà, faut double rampe, faites double rampe comme ça. C'est un peu pareil que celle d'avant, vous faites 4 chapeaux comme ça, ensuite vous sautez, vous mettez le mur comme ça, hop. Ah. D'accord, bah, je vais la refaire, hein. Donc, tac, go, vous partez en bifight, faut faire double rampe, tac, vous faites ça comme ça, vous en mettez 4 comme ça, là vous essayez de mettre un sol, là vous mettez ça comme ça. Hop, puis voilà. Voilà. Et genre, voilà. En gros, faut que ça fasse ça. Ah, mince, par contre. Voilà, donc faut que vous ayez une double rampe, voilà, comme ça. Vous mettez un chapeau là, un chapeau derrière, devant, enfin, là, ici, là. Un seul, et puis hop, vous éditez les deux. Voilà, enfin, bref.
vous m'avez compris quoi. Puis du coup, je viens de me dire, est-ce que je ferai pas toutes les retakes en même temps? Genre, je les assemble tous. Donc la première avec la deuxième et la troisième. Je vais essayer, je vous garantis pas que je vais y arriver, mais sinon, let's go. Ok, let's go. Alors, je vais commencer par celle-là, vas-y. Tac, donc par la première, hein. Je vais recommencer. Ok, donc let's go. Je vais commencer par la première, donc je vais tout faire dans l'ordre. Je vais recommencer. Ok, donc let's go. On va essayer de faire les trois assemblées. Je vais garantir rien, mais bon. On va tous les faire dans l'ordre. Je vais recommencer. Putain, mais ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Putain, les gars, vraiment, c'est la troisième fois que je recommence. C'est vraiment long. Hop. Mais tu sais quoi? On va faire mode tryhard là. Bande noire, musique de tryhard. Allez, let's go. Pourquoi ça met l'escalier là? Je comprends pas. Mais ça m'énerve. Oh, les souliers. Est-ce que je vais y arriver un jour? Allez, c'est la bonne. C'est la bonne. Allez, c'est parti. Enfin les gars, j'ai réussi. Ah là là. Putain les gars, j'ai enfin réussi quoi. Ouf. Putain, j'ai enfin réussi à les assembler les trois quand même. Ah, donc, oh, et pour ceux qui savent pas, c'est ma map edit, hein. Enfin c'est ma map map fight. Voilà, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura. Cette petite vidéo sur les retakes chapeaux vous aura plu. Je vous aurai peut-être un deuxième épisode. Pas forcément sur les chapeaux, mais peut-être sur les escaliers ou les sols. Enfin, bref, je vous aurai un deuxième épisode. Voilà. Et surtout si ça vous a aidé, si ça vous a entraîné, tout ça, bah, n'hésitez pas à liker. Commenter si vous avez des problèmes ou si vous savez pas comment j'ai fait quelques trucs, bah commentez. Puis si vous avez aimé la vidéo, puis ça vous a bien encore plus aidé, bah abonnez-vous et activez la cloche. Hein. Bref, c'était Atom, à plus. Yo, DJ, put a needle back to the record, baby, and give me the...